Là, disons qu'on est... Voilà, ça va. On est plutôt... Relativement nombreux. Attends. Les gars, est-ce qu'il y a un établi au moins à l'intérieur Ah mec, ça lag tellement. Ah ouais, ça le full lag. Il me faudra un établi. Okay, hein. Isil, on devrait enlever le spawn naturel pour voir si ça fait quelque chose de mieux. En vrai. J'avoue, pour le, pendant le conseil, oui, il y en a plus un de spawn. Ah, il y a les bleus. Les verts qui arrivent, non? Est-ce qu'on va sur Warcraft, quoi? Les 28 par mètre carré. Ouais, pour bus par exemple. Il me faudrait quelqu'un à une pioche ou pas? Non. T'as le wolf, hein? Venez! Yups, attendez. Ici, il va falloir qu'on remove les gens là. Ouais. Ah, là, on bat un record là. Ouais, on bat un petit record là. Ok, c'est bon. On est 24. Juste je vais aller dans la salle des gardes, il y a un peu de monde. Je vais dire aux gens qu'ils aillent en dessous, dans l'étage juste en dessous, en posant leurs cheveux. J'y vais. Écoutez-moi s'il vous plaît, attends, un peu de silence. Pour tous les gardes, est-ce que vous pouvez juste aller dans la salle qui est juste en dessous? Là où vous voyez la porte en vert. J'ai bien dit en dessous, vous ne montez pas au-dessus. Je veux, voilà, juste, vas-y monte. Voilà, donc, on est parti, est-ce que vous pouvez arrêter de balancer de la terre et de la bouse et de la bouffe sur la table? Ça pourrait être sympa. Donc, le conseil commence. Le premier sujet que je veux aborder, c'est ce que nous avons vécu tout à l'heure, donc le royaume de Tannenwolf. Nous avons eu un espion dans nos rangs. Dans nos murailles. Donc pas un espion qui faisait partie de Tannenwolf, mais un espion qui était en invisible et qui espionnait totalement ce qui était en train de se préparer. Déjà, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a, dans l'un de vos royaumes, est-ce qu'il y a eu également de l'espionnage? Oui, enfin, je sais pas si c'était de l'espionnage, mais tout à l'heure, j'étais en train de build, et j'ai reçu des flèches. Très bien. Ah oui, d'accord. Oui, il y a quelqu'un qui... Des flèches de feu. Ah oui, d'accord, carrément. Pas sur lui, mais à côté, quoi, pour lui faire peur ou tout comme ça. D'accord, ok, donc il y a clairement quelqu'un qui nous espionne. Est-ce que vous avez une petite idée de qui c'est? Absolument pas. Ouais. L'ordre, vous avez pas eu quoi que ce soit? Au niveau de l'espionnage? Ok. Et Untar? Non. Ok, donc pour le moment, nous sommes deux royaumes, donc Tannenwolf et Illyria Capric, je ne pense pas. Mais il me semble que c'était Capric. Ah. Capric. Très bien, ok. Alors il m'écrit un message privé sur le jeu, donc il m'a dit non. Donc c'était juste pour... Va falloir qu'on fasse très attention, parce que je sais pas si elle va... D'accord, si, il me dit j'ai pas d'informations. Je sais pas si cette personne va s'amuser à continuer, et en tout cas je ne sais pas si elle travaille pour quelqu'un, ou l'un des royaumes, donc c'est là où ça devient tendu. J'espère que c'est pas une personne d'un royaume qui fait ça, et que c'est vraiment quelqu'un qui est tout seul. Ensuite, je voulais surtout aborder le point des pillages et des griffes. Donc je sais que nous aussi on a eu un peu de pillage, c'était pas beaucoup, mais je sais que l'ordre a énormément été touché par les pillages. Oui. Donc nous, on a perdu quelques livres. Léontar, je sais pas si vous avez perdu 2-3 petits trucs. Ou plus. Avant-hier, on a perdu 25 blocs d'émeraude, mais je sais pas si c'est vraiment un vol. Ah oui. Ou pas. 25 blocs d'émeraude. On a perdu quelque chose ou pas, Olins? Alors non, parce que nous, c'était déjà claim. Nous, on a perdu quelques livres d'enchantement. On n'a pas eu trop de pièges aussi, parce que la plupart des choses sont protégées. Nous, on a perdu de l'émeraude dans notre auberge. Vous avez perdu... Oui, c'est moi. Vous avez perdu beaucoup d'émeraudes dans votre auberge? Alors, c'était dans des coffres personnels, donc... Tu parles un peu fort. Ah, pardon. C'est très bien, voilà, c'est très bien, parfait. Ok, donc pareil, il va falloir que... Est-ce que... Il faudrait peut-être qu'on fasse une brigade ou je sais pas, ou des soldats qui soient assignés juste pour essayer de trouver la personne qui fait ça. Parce que là, ça commence à devenir un petit peu inquiétant. Si tous les royaumes sont attaqués par une ou plusieurs personnes, on voit pas encore qui ça peut être, mais on a quelques doutes, mais on préfère pas désigner des pseudos. Enfin, je veux dire, des prénoms ou des blasons, tant qu'on n'a pas des... On n'a pas de preuves concrètes. Ensuite, je voulais aborder le point des échanges commerciaux. Déjà, je voulais savoir, est-ce que tous les royaumes sont bel et bien, sauf si je n'ai pas été mis au courant, tout le monde normalement est en lien commerciaux, il n'y a pas de... J'ai pas le terme. Alliance commerciale. Merci, voilà. Tout le monde est en alliance commerciale, il n'y a pas eu de rupture de contrat. Non. Très bien. Et du coup, je voulais savoir aussi également les liens entre les royaumes, c'est-à-dire où est-ce que vous en êtes au niveau des liens sociaux. Est-ce qu'il y a des petits conflits entre royaumes ou pas du tout? Non, très bien. Il me semblait avoir entendu qu'entre l'ordre et les Huntar, il fut un moment où ça a été compliqué, mais normalement tout. Oui, tout est réglé. La version 1.13 fait énormément laguer les mobs parce qu'il y a une espèce de mauvaise génération des mobs. Du coup, les lags viennent énormément de là. Donc ce que je voulais proposer, c'est d'enlever le spawn naturel des mobs, mais de laisser les spawners. Et que tu rajouterais des spawners. Et je rajouterais des spawners naturels, ouais. Oh bah... Ouais, moi, support. Oui, il faudrait tester. Les loots tuent les squelettes.
Ah oui, mais ça n'a aucun rapport. Donc on a un et vote pour laisser. Et bah le reste. Parce que nous on a des mobs qui spawnent de notre auberge et du coup c'est un peu problème. Voilà pour ce qui est du spawn, tout ça. Est-ce que quelqu'un déjà a un autre sujet à aborder? Attendez, alors apparemment il y a Sokaris, l'un de nos soldats, qui a un truc important à nous dire. Je vais juste le move, on va l'écouter. Vas-y, Sokaris. J'ai problème, on a repéré un mec qui était en train de tourner autour de la salle avec des TNT. On a cru que c'était Two Tribe. Genre, ils ont cru, enfin, ils ont vu plus loin Two Tribe qui a pris une potion d'invisibilité et qui s'est barré. Du coup, c'est potentiellement lui qui était là. Ok, très bien. Il a potentiellement voulu faire un attentat et il a été empêché grâce à la collaboration des 4 armées. Donc je t'avoue là, ça confirmerait peut-être l'hypothèse sur lui le voleur et tout, comme on avait... Oui, effectivement... Alors, ensemble là, il y a du soldat ou pas? Bah attendez, moi je retourne avec les soldats. Oui, très bien, je te laisse descendre, nickel. On peut lancer des grosses recherches, hein. On est 4 royaumes, on est sûr. Ah, on peut mettre une prime sur sa tête, totalement, hein. Mais faudrait essayer de le choper vivant. Voilà. Est-ce que j'avais un autre sujet à aborder? Il me semble que oui, mais je l'ai pas noté. Du coup, je vais juste aller dans la salle des gardes, préciser qu'on va quitter la salle du conseil. Donc, il faut vraiment que tous les gardes fassent hyper attention. Ok, c'est bon. Normalement, on peut descendre tranquillement. Ah non, par contre, Lynn, ça. Tranquille. Hein. Tu fais ça après. On y va tranquille, tranquille. Parce qu'apparemment, il y a vraiment un archer avec des flèches enflammées qui nous attend. Hein. Oui, le conseil est terminé. Tout le monde peut revenir à ses occupations et dans les channels respectifs. Merci à tous d'avoir participé.